Et on poursuit la page culture de ce journal avec nos deux invités ce soir, le chanteur Paille, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et la lauréate de la bourse Paille, Tessa Treff, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Tessa Treff, d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de cette bourse qui a été lancée il y a presque un peu moins d'un an maintenant et qui notamment permet aux jeunes Martiniquais de recevoir un prix. Alors, on ne va pas revenir sur les conditions de la bourse, on va venir d'abord sur le projet de vous, Tessa Treff. Quel était ce projet, justement? Donc, mon projet, Aline, donc c'est une plateforme de mise en relation entre assistantes et entrepreneurs artisans qui souhaiteraient avoir qui ont des besoins ponctuels au niveau administratif, comptable ou commercial. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette bourse vous a apporté? Beaucoup de choses, c'était très instructif. On a eu 3 semaines de formation. C'était assez intensif. Donc, on a appris à replacer notre projet dans le contexte martiniquais. Et on a appris aussi à appréhender l'environnement socioculturel, économique et politique de la Martinique. Il y a également un petit coup de pouce financier. Oui, tout à fait, qui me permettra d'améliorer mon projet, d'avancer, d'élaborer des stratégies commerciales et de les mettre en place. Voilà. Alors, Paille, c'est vous qui êtes à l'initiative de cette bourse. Vous avez souhaité mettre en avant la Martinique et ses talents. Et vous avez, ce que vous dites, détecté des maux qui, notamment, empêchent les Martiniquais de s'investir dans leur pays. Quels sont ces maux? Pas plus tard qu'hier, j'étais dans une émission où on parlait à peu près de la même chose. Il y a une forme de. Alors, ce n'est pas du désamour, c'est un manque de confiance en ce qui est endogène, en ce qui est proprement martiniquais. On a l'impression qu'il faut être adoubé, qu'il faut avoir une autorisation extérieure, une sorte de tampon extérieur pour que les produits deviennent viables ou bien que les entreprises deviennent solides. Et quelque part, on est, quand on est un peu plus grand, puisque finalement je vais de plus en plus vers une sorte d'âge de sagesse, on a un devoir d'exemplarité. On a désormais avec les réseaux sociaux plein de moyens qui sont déculpabilisants. On peut poster des statuts, faire des directs, etc. On a l'impression d'être dans l'action et au final, non, complètement pas. Donc moi, je me suis dit qu'à un certain moment, puisque j'ai pris aussi cette mauvaise habitude de parler fort, il faut essayer au moins d'agir à hauteur des mots qu'on souligne dans les chansons, dans mon cas, ou bien sur les réseaux sociaux pour les autres. Alors justement, est-ce que c'est le rôle des artistes justement d'avoir ce genre d'initiative? Je pense que c'est le rôle des Martiniquais, point. Tous ceux qui sont en capacité et qui se permettent de ne pas le faire parce que c'est effectivement complètement inconfortable. C'est inconfortable parce qu'il y a une logistique à mettre en place, parce que mon quotidien est assez finalement simple et je l'ai compliqué en partant sur cette initiative. Mais c'est tellement épanouissant et on est tellement dans autre chose que dans la vindicte gratuite et puis dans la critique stérile que finalement je me dis que j'ai presque fait ça un peu trop tard, quoi. Donc j'invite toutes les personnes qui sont en capacité et en volonté de faire à leur échelle, hein, qu'il s'agisse d'un mécanicien ou d'un pâtissier qui est en mesure d'intégrer un peu de Martinique et de Martinicalité dans ce qu'il fait, de le faire avec urgence parce que quelque part, c'est nécessaire. Est-ce que vous avez eu des obstacles sur l'organisation de cette bourse? Est-ce qu'il a été difficile de trouver des partenaires? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'on a eu des entreprises locales et des partenaires qui sont venus directement. Alors, il faut forcément un peu les citer. On a le Chocolat Hello, Air Caraïbes, Canal+, Didier. On a un pote à moi qui s'appelle Michael Gouassid. Il y a des particuliers qui ont donné. Coucou Jocelyne, B. On a plein de gens qui sont venus naturellement donner un coup de main. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont réticents, qui partent du principe que ben, on est dans le dépassement de fonction, que ce n'est pas forcément à eux de faire ça, et qui sont la société nous permet de le faire dans une forme d'égoïsme, là encore très confortable. Mais on a un exemple avec nos voisins de Saint-Martin, de Saint-Barth, qu'on le veuille ou non, on est sur le même bateau, donc il y a un certain moment, quand on peut mouiller le maillot, il faut le faire. Alors Tessa, est-ce que vous partagez un petit peu l'idée, la philosophie de cette bourse? Est-ce que vous aussi, vous estimez que les Martiniquais sont trop amenés à quitter leur île et à, entre guillemets, avoir une fuite des cerveaux? Je partage l'idée de Paille, en effet, car on perd quand même plus de 4 000 habitants par an, notamment les jeunes qui partent faire leurs études en France. Et c'est vrai que c'est dommage qu'ils ne reviennent pas pour entreprendre en Martinique, pour booster l'activité de la Martinique. Et c'est vrai que la Bourse Paille est une très bonne initiative par rapport à tout ça. Et vous, pour vous, c'est une motivation? Est-ce que c'est ça aussi qui vous a décidé à rester ou est-ce que vous aviez déjà l'intention de repartir? Oui et non, car la Martinique, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire ici, et c'était l'occasion rêvée justement de monter ma plateforme
d'y arriver. Voilà. Alors, dernière question. PAI, là, c'est la première édition. Est-ce qu'il y aura une deuxième? Ben, on est en plein dedans. D'ailleurs, on organise ce jeudi. Alors, je profite de votre antenne. On organise ce jeudi un concert qui va nous permettre déjà de mettre un peu de sous dans la tirelire de 2018. Et puis, on fait aussi en parallèle une collecte de denrées non périssables, pâtes, riz, etc., pour nos amis des îles du Nord. Donc, ce sera ce jeudi 14. Les places sont déjà en vente. Et effectivement, le nerf de la guerre est toujours le même. La bourse s'appelle PAI parce que d'un point de vue marketing, c'était plus simple et que ça permettait aux marques de voir très rapidement, d'identifier qui était le porteur de ce schmilblick-là. Mais il faut qu'effectivement, assez rapidement, ça devienne quelque chose que j'espère qui va s'institutionnaliser et qui va dépasser ma simple personne. Et puis, on peut l'appeler la bourse, peu importe le nom, mais l'idée, c'est qu'on continue à croire en des projets de jeunes Martiniquais. Merci beaucoup au chanteur PAI, l'homme PAI, sans son chapeau ce soir, et à Tessa Treffs, donc lauréate de cette bourse. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation.